Ça t'aurait intéressé de participer au Solo Queue Challenge où la quarantaine de games par semaine est intankable? Bah, comme j'en ai déjà parlé lors du dernier stream, Tréton m'a proposé. Et en vrai, j'ai vraiment hésité à le faire cette année, surtout que je suis dans un bon mood vis-à-vis de League of Legends, de la Solo Queue, tout ça. J'ai pas mal spam le jeu. Mais bah ouais, comme tu viens de le dire, j'ai pas envie de me retrouver forcé à jouer quand j'en ai plus envie. C'est ça qui a fait que j'ai pas accepté. Et vu que ça joue en équipe, j'ai pas envie que mes coéquipiers me fassent la gueule parce que... Une semaine de, à la suite, j'ai préféré faire du Skyrim que du League of Legends. Mais bon, je peux pas prévoir, hein. Ça se trouve, je vais faire que du League of Legends tout le mois du Solo Queue Challenge et je vais me dire, oh tant pis, j'aurais pu le faire. J'ai choisi la sécurité. Bon, je suis contre Rise Stop, Resolve, Téléportation, Phase Rush. C'est un petit malaise. Mais ça peut quand même le faire. Alors, tac. C'est quoi la mémoire de la game? Ah, quand même, c'est du Haut Master. Hein. C'est du Haut Master, il y a même un Grand Master dans la game. Et le Rise est un pur OTP Rise. Ok, intéressant. Merde! Oh non, j'ai pas mon bon setup de lumière. Bon, c'est pas grave, il faudrait que j'aille le changer. Il y a trop de lumière là. Ok, il commence avec cristal. Respecte la distance de sécurité. Je vais jouer Stride dans leur équipe. Et peut-être même Mercure. Reste à distance de sécurité, spam la danse. Je suis un joueur de Rise Top Phase Rush. Il était buff ce patch aussi, Rise. C'est devenu relativement populaire. Incroyable, j'ai pu lui mettre une auto-attaque. Il a une plaque d'os. Il a une plaque d'os. Voilà, je vais 100% me faire gank. Hein. Comment il a insisté pour le freeze? Regarder la rivière. Ok, le gank était de luxe. Donc le jungle peut totalement être top. Bon, pour le moment la lane se passe bien, mais bon, Ryze c'est pas très fort en early. Ce sera plus tard que ça deviendra très chiant quand il aura son premier ou deuxième back. Ok, nice. Je l'ai ignite direct, ce qui permet de que je prenne l'aggro au lieu de Rise. Attends, mais la ward de Rise a été contre lui parce que du coup le setup des creeps il est parfait pour moi. Vas-y, je vais prendre deux épées longues. En vrai les solo liners c'est Rise et Lux, je pense qu'il me faut des mercures. Hein. Je pense que la tenacité du bout du rouleau suffira pas. Il me faudrait des mercures en plus. J'ai la tenacité des runes, mais bon, c'est que 10%. Putain, mais la botlane peut s'arrêter de mourir. Après, il se fout de farm.
Bon, là, le souci, c'est que j'ai plus de flash et je sais pas où est Lee Sin. On l'a jamais vu de la game, Lee Sin, j'y pense. 5 minutes, on l'a toujours pas vu faire un gank. Deuxième auto dommage. On a l'air de sentir vraiment la grosse merde en bot lane. Ouais. Je lui ai fait louper le canon, il a trop la haine. Là j'ai pu mettre une auto de plus. Il va freeze ou pas? Il va pas tarder à manquer de mana. Ouais, je pense que je vais juste crash. Hein. Il est trop haut en HP. Ok, il donne tout pour freeze la lane. Bah, si tu veux jouer à ça, je reste. Hein. L'air de rien, il prend beaucoup d'image là petit à petit. Sale merde! Oh les... Oh je crie! Premier degré, je crie! Round stop, phase rush, armure premier back, utilise son ulti pour crash la wave sous ma tour, plaque d'os, vendrait sa mère pour un freeze! Nah, c'est grave d'être comme ça, vraiment! Ce mec là se regarde dans une glace tous les matins et se dit je vais faire 10 games de ride stop comme ça. Et je trouve ça déconcertant. Ok, on lui proc le phase rush, je le laissais pas partir. Hein. Tabi. Premier item, Tabi. Encore sur des tonnes et des tonnes de top laners. J'aurais totalement pu le comprendre. Genre des Renekton, des Darius, des Xante, des Aatrox, des trucs comme ça. Mais là il joue un mash top. Mash top rush Tabi. Non. Faut en parler. Je vais jouer de la peur qu'il a de Rengar. Voilà. Y'a personne mais ça il le sait pas. Je faisais que aller vers les buissons comme ça il croit à 100% qu'il y a Rengar. Là il va voir Rengar sur la map et se rend compte que je me suis foutu de sa gueule. J'ai le stride sur le back. Faut juste que je crash. Est-ce qu'il avance avec le creep? Non. Ok, faut que je reset pour le stride là. Oh le haineux, après ça va certainement le tuer de faire ça. Attends de voir son premier item cœur gelé, je l'ai tag il y a un ou deux jours. Ah ouais? Ah il rush cœur gelé en plus. Ok, c'est un comme ça. Bon, au moins le phase rush est proc.
Ok. Putain, le wave clear du champ quand même. Ah, il va se barrer là. Oh bordel. C'est trop merde. Au moins on a la tour. Après j'aurais bien aimé l'avoir solo, mais bon, Rengar ça a besoin de ressources. Ok, on s'en va. La police est là. Ah ouais. Bon, en vrai là je vais avoir un bac assez violent. Là mon bac il est très très méchant. Stride et Mercure en un seul bac. Là il va me faire aucun dégât pendant un bon moment et j'aurai moyen de le tuer. Ok, il est mid. Je vais chercher à avancer top le plus possible. Non, Ryze a prouté, il a pas pu Q. Enfin, Vlad, pardon. Vlad aurait jamais dû mourir là-dessus. Ok, t'es de midlife là-dessus, je peux certainement prendre les golems aussi. S'attendez pas à ce que j'ai des mercures, je suis vraiment tranquille contre leur duo de mages là pendant un moment. Tiens, il y a une trinket bleue ici, je vais retirer. Oh, je peux stay en vrai, je vais prendre les plantes. Ça meurt beaucoup hein, la Kaisa en 6-0-4, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Non! FF. Je vais faire un truc un peu haineux. Putain, j'aurais dû contourner la luxe, il y avait un free kill. Et je coupe les canons en plus. Peut-être qu'elle va aller par là, peut-être que je suis pas ward. Ouais, voilà, exactement. Ok, le poulet, il passe. Ok, j'ai même pas à claquer l'ult. Le véritable roi barbare de tous les rois barbares. Tiens, elle a perdu la barrière là-dessus. Ah, ça me paraît compliqué, hein. Je crois qu'il faut rentrer à la maison, là. Le Ryze, depuis qu'il a quitté le fait de lane contre moi, il se met bien. Il récupère des petites saloperies à droite à gauche. Et ils ont le contrôle des dragons. Après, on a une team qui scale tellement. Vlad, Trinda, Smolder. Eux, ils ont quoi qui scale très fort? Ryze et Kaisa. Je pense qu'il faut que je passe en trinket raid cette game.
elle va pas se faire avoir deux fois. Hein. Ah, c'était pas loin de pouvoir la choper. Ah, j'ai vraiment tout donné. J'ai misclick le level up du Z dans le fight. Mais j'ai tout donné de moi, c'était pas possible de faire plus là. Après, ça absorbe le Lee Sin top, ils vont peut-être dive le Rise là-dessus. Ouais, ça devrait être free si je joue décemment. Bon, louper absolument tous ses sorts, j'appelle pas ça jouer décemment. Ok, c'est de la merde. Nice, enfin. Voilà. Et là, saute-lui dessus. Et saute-lui dessus encore. Oh, dommage, il a pas la vision. Nice! J'en étais sûr qu'il allait passer par là. Ouais, non, ma team peut pas follow up. No cap, je vais rien acheter. Je préfère attendre pour un morceau de l'IE. Faudrait qu'on fight le Drake, sinon on va se faire pressure la soul à 20 minutes. C'est pas top, hein. Ah. Oh là là. Oh là là, ça pue du vieil. J'aurais dû rester bot. Peut-être que j'ai quand même le temps avec les grubs. Ouais. C'est marrant parce qu'au score ça va, tu vois. Quand j'appuie sur tab, je vois pas une game perdue. Je vois pas du tout une game perdue quand j'appuie sur tab. Je vois une game qui est totalement serrée et totalement jouable. Mais je sais pas. J'ai l'impression que Nami fait vraiment trop de la merde. Elle a 7 morts. Elle meurt tout le temps sur des timings importants. Smolder va me prendre le raid. Petite merde. Ok, faut que je pressure, on n'a pas d'infos sur Ryze. Ok, c'est nice. Ils font des catchs sur un timing Nash. Ok, 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 j'arrive au Nash, j'arrive au Nash. De toute façon, lui, il a trop de wave clear, je peux pas push devant ses yeux. Ça ne sert à rien, ce truc. La Kaisa a plus de flash apparemment. Putain, j'avais pas vu qu'il avait déjà eu le temps de repop lui.
Je vais les bots. Le problème c'est qu'il peut forcer ça et se barrer avec l'ult. Ouais, c'est ce qu'il va faire. Il va juste TP out. Il en a même pas besoin avec le phase rush. Ok, j'ai rien dit. Oh. Nice! Ça va, ils ont claqué beaucoup sur moi et j'ai quand même pu tuer le Pyke. Du coup, la Lux était seul top, Rengar a pu la tuer. Ah ouais. Oh! Non! Ils peuvent gagner ça hein, tous les jours! Ils ont deux persos de game bien scale là. Bon, faudrait qu'ils jouent décemment! Là c'est pas top, ok. Oh oui oui, les sous de la T2. Avec les sous de la T2... Non... Ou alors je vends le bouclier, j'attends 20 gold. Ok, nice, il le tue. Je suis 3 items. 3 items dont la lame d'infini. Il voit le chat? Oui. Je vois le chat. Le problème c'est qu'il peut trop... Juste il claque un phase rush et il se barre quoi. La game est un peu freeze pour moi. Ok, il y a des signes ici. Ok. Ok, c'est nice. Attends, attends, vite, vite, vite sur sa T2. Pour une fois qu'il est plus en train de la défendre, c'est mon moment là. Merde! J'avais pas vu la marque, je voulais économiser mon kill plus longtemps. Et j'avais pas le stride pour finir le Pyke. Là j'ai merdé. J'ai merdé, là faut que je me refocus. Je suis pas une game parfaite en vrai. Je pourrais avoir un ou deux kills de plus et une ou deux morts de moins, facile. Au moins un kill de moins, enfin un kill de plus et une mort de moins, ça je pourrais large. Là j'aurais dû tuer Pyke et pas mourir. Y'a pas d'armure en face. Y'a pas d'armure, il y a énormément de dégâts magiques. Hein. Ça va faire un bout du rouleau. On devrait m'envoyer bot. Oh merde, qu'est-ce qui se passe? Bon endroit, bon moment ou pas? J'ai pris sur bot fast.
Le truc support là, ça là, c'est broken. C'est complètement broken. Après, il tank tellement avec ça. Ça absorbe tellement ses erreurs. Vas-y, je vais être égoïste, go prendre la T2. J'ai été un peu trop altruiste cette game. L'altruisme, ça va pas avec Tryndamere. Wouah, fait tellement mal. Nice. J'ai bientôt le stride. Ok, j'équipe mon démoli, je peux prendre la mid. Les gars, j'ai pété un câble. Parfois faut envoyer un message. Parfois faut envoyer un message. Cette luxe, c'est bon là. Et que je t'envoie des sorts à l'autre bout de la map, ça suffit. Faut lui dire qu'elle est pas en sécurité. Ah, ah, ah. Ok, je suis 4 items. Je suis 4 items, le Ryze en a 2 ennemis. Ça par contre c'est interdit par la loi, hein. Surtout avec un Vlad qui est 3 items et qui a l'ulti. Ok, c'est bien joué de sa part. Il a le flash, nice. Bah même ces ondes là je pense sera pas si worse pour eux. Ah quoique. Il a pas la portée pour réactiver. Il reste qui? Lié Pike, faut finir la game. Avec les creep fast. Allez, tu mets des autos à 300 sur les tours là. Tapez cette foutue base. Putain, mais ils veulent courir après le Pike et le Lee Sin, c'est grave. Nice. Bon, j'aurais pu avoir une ou deux morts de moins et faire un ou deux kills de plus. C'était pas une game parfaite, mais c'était une bonne game quand même. Là, je suis 4 items, il en a 2 ennemis. Et j'étais bien dans la game en vrai. Mais ouais, elle était pas parfaite. Bonne, mais pas parfaite du tout.